Nous allons entamer maintenant l'étude des cristaux ioniques. Pour cela, on va étudier la stéréochimie des structures cubiques les plus importantes et qui correspondent à des composés de formules MX ou et MX2. Hein, MX et MX2. Donc M ici, c'est l'élément métallique qui donne le cation et X, l'élément non métallique qui va nous donner l'anion. Hein. Bien sûr, on va supposer que les cations et les anions hein, sont sphériques et de rayon R. Donc pour cela, on va négliger l'influence des autres ions. L'influence des autres ions. Donc, dans ce cas de structure, les anions, bien sûr, étant plus volumineux que les cations. Les anions, ils seront plus volumineux. Donc, ce sont eux qui vont imposer le type d'empilement, hein, le type d'empilement, c'est-à-dire le réseau d'études, quoi, le réseau d'études. Donc, l'anion, l'origine sera prise sur un anion. Bien sûr, dans ce réseau-là, formé par les anions, il y aura des interstices, soit octaédriques, soit tétraédriques. Et les cations vont venir se loger dans ces vides-là, ou ces lacunes-là du réseau anionique. Donc on va commencer par la première structure qui est très simple. C'est le chlorure de césium. Hein. Bien sûr, on va commencer par le type de composé MX, hein, métal, élément non métallique. Donc, dans ce cas de figure-là, les ions Cl- forment un réseau cubique simple. Bien sûr, on sait tous que le cubique simple, ça veut dire que les Cl- vont se mettre uniquement sur les sommets. Et les cations, Cs+, occupent les centres des cubes, comme vous voyez ici dans la figure. Donc là, c'est les Cl- qui décrivent un réseau cubique simple, et les Cs+ occupent les centres des petits cubes. Donc, nous allons voir par la suite que dans cette structure-là, hein, il y a deux types de réseaux cubiques simples. Hein. Un réseau cubique simple pour les Cl- et un réseau cubique simple pour les Cs+. D'accord? Mais ces deux réseaux-là sont décalés ou se déduisent l'un de l'autre par une translation de type hein, 1/2, 1/2, 1/2. Ça veut dire que le vecteur translation sera moins 1/2 A, moins 1/2 B, moins 1/2 C. D'accord? On va passer d'un réseau cubique simple à l'autre par cette translation-là. Donc, regardez. Donc, on va donner, on prend l'origine sur Cl-. D'accord? Puisque les Cl- décrivent un réseau cubique simple. Donc leurs coordonnées c'est 0, 0, 0 et les Cs+, on a dit qu'ils vont venir se mettre au centre des petits cubes, donc ils auront pour coordonnées 1/2, 1/2, 1/2. D'accord? Après la translation, donc si vous effectuez la translation, ça veut dire le vecteur t est égal à moins 1/2 de a, moins 1/2 de b, moins 1/2 de c. D'accord? Les Cl- vont venir occuper les centres des petits cubes et les Cs+ vont se mettre au sommet, sur les sommets. D'accord? Ça veut dire que les Cs+, eux aussi, forment un réseau cubique simple comme les Cl. D'accord? Après translation, on a vu que le réseau des Cs+ est le même que le réseau
de Cl-. D'accord? Mais ces deux réseaux-là, ils seront décalés. Hein, ils seront décalés, on va voir ça par là. Donc le nombre de motifs, dans la maille, il y a 8 Cl- au sommet qui vont être multiplié par un huitième. Pourquoi? Parce que chaque sommet appartient à 8 mailles. Donc on aura un seul Cl moins par maille. De même, on aura un CS plus au centre de la maille. Donc, tout compte fait, on aura un CS Cl par maille. Le motif ici, c'est le chlorure de césium. C'est la molécule CS Cl. On aura une molécule, hein, une molécule par maille. D'accord, dans ce cas-là. Donc, pour la coordonnance, c'est très simple, puisqu'on a un CS plus au milieu de la maille. Automatiquement, il sera entouré de 8 sommets qui contiennent les Cl-. D'accord? Donc, chaque CS plus est entouré de 8 Cl- qui sont situés, bien sûr, à la moitié de la grande diagonale. Hein? Qui seront situés à la même distance, A racine de 3 sur 2. A racine de 3, c'est la diagonale, sur 2, c'est la moitié. De même, chaque Cl- est entouré de 8 CS+, à la même distance. Pourquoi? Parce que, regardez, quand on a fait la translation, on a vu que les Cl- vont venir occuper le centre des mailles, et les CS plus vont se mettre sur les sommets. Donc chaque Cl moins sera entouré lui aussi par 8 CS plus. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on a dit de même chaque ion Cl moins est entouré de 8 CS plus à la même distance, c'est-à-dire à racine de 3, à racine de 3 sur 2. Donc l'indice de coordination ici, il y a deux chiffres dans l'indice de coordination. Parce qu'on a deux types d'ions là. Ce n'est pas le cas des empilements métalliques où on avait un seul type d'atome. D'accord? Donc la coordination hein, était un seul chiffre ou un seul nombre. D'accord? Donc l'indice de coordination est de 8 pour CS plus et de 8 pour Cl moins. Et elle est notée, la coordination, elle est notée 8, 8. Hein? Le premier 8, ça veut dire c'est les voisins, les Cl moins qui entourent le cation. Le deuxième 8, ça veut dire les cations qui vont entourer, hein, les cations qui vont entourer l'anion. Attention, la coordination, si vous prenez un cation, vous regardez toujours les anions hein, qui sont à égale distance. Et si vous prenez un anion, vous toujours regardez du côté des cations. Bien sûr, les plus proches et à égale distance. D'accord? À égale distance. Donc, je reviens là. Pour essayer de chercher les conditions d'existence de cette structure-là, CSCL. Donc je représente la maille. Comme au début, là, vous avez des Cl- sur les sommets, vous avez un cation à l'intérieur. D'accord? Donc je prends un plan de A racine de 2, hein, A racine de 2, ce plan-là, par exemple, qui contient ces deux sommets-là, hein, vous aurez ici, entre ce Cl- et ce Cl-, vous aurez A racine de 2, elle est là, et entre ce sommet-là, hein, et ce sommet-là, vous avez A. De même, A ici, vous prenez ce plan-là, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les anions Cl- sont tangents au cation hein, CS+, selon la grande diagonale. D'accord? Selon la grande diagonale.
Donc, attention, je vais rappeler ça rapidement. Donc, dans le cas des structures ioniques, on va supposer qu'il y a toujours contact entre les cations et les anions. Hein? Il y a toujours contact cation-anion. Et à la limite, les anions vont se toucher. Ça, c'est le critère qu'on va adopter pour toutes les structures ioniques. Hein? Contact anion-cation et à la limite, les anions se touchent. À la limite. Donc, contact anion-cation, ce contact-là, il va se faire selon la grande diagonale. Hein? Selon la grande diagonale. Ça veut dire 2R moins, plus 2R plus, puisqu'il y a contact, ça veut dire égalité est égale à A racine de 3. C'est la grande diagonale. Et à la limite, les anions se touchent. N'oubliez pas que les anions décrivent un réseau cubique simple. Donc, on a vu dans le chapitre des empilements métalliques que la condition d'un réseau cubique simple, hein, c'était selon la règle. Ça veut dire 2R moins est égal à A, au paramètre A. On va appliquer la même relation, mais à la limite, ils vont se toucher, donc ça veut dire 2R moins, elle sera inférieure ou égale à A. D'accord? Donc ça veut dire que 2R moins plus 2R plus, puisqu'il est égal à A racine de 3, et ce A-là, il est supérieur à 2R moins, donc je remplace le A qui est ici, A, par là, et je vais mettre le signe supérieur ou égal à racine de 3, R moins. Bien sûr, je simplifie avec le 2 ici et le 2 ici, ce 2-là et le 2 ici. Et ça me reste R moins plus R plus est supérieur ou égal à racine de 3, R moins. Donc, si je divise par R moins, j'aurai ici 1 plus R plus sur R moins, supérieur ou égal à racine de 3. Et je sors avec le rapport R plus sur R moins est égal à, est supérieur ou égal à racine de 3 moins 1. Et n'oubliez pas que, on vient de le dire, que les anions sont plus volumineux que les cations. Hein? Ça veut dire que la borne supérieure de ce rapport-là, la borne supérieure, sera inférieure, hein, inférieure à 1. Pourquoi? Parce que R moins est supérieur à R plus, donc R plus sur 1 moins sera toujours strictement inférieur à 1. Et j'aurai cet intervalle-là. Le rapport R plus sur R moins, il est supérieur ou égal à 0,731 et inférieur strictement à 1. Donc, pour toute structure de type MX, dont le rapport R plus sur R moins, hein, est supérieur ou égal à 0,731 et inférieur strictement à 1, hein, donc cette structure-là, elle va se décrire exactement de la même façon que le CSCL. Et je vous donne ici quelques composés de structures qui vont être décrites selon la structure type CSCL. Ça veut dire tous les halogénures, hein, tous les halogénures que vous voyez ici, sauf les fluorures. Les fluorures, ça veut dire les F. Hein. Donc tous les halogénures que vous voyez ici, sauf les fluorures. Ces composés-là vont être décrits comme CSCL. Maintenant, on va attaquer un autre type de structure. Là, c'est la structure NaCl. Ça veut dire le sel de cuisine, donc chlorure de sodium. Hein? L'anion ici, c'est le Cl- et le cation, c'est le Na+. Donc, pour décrire cette structure, les
ions Cl-, les ions Cl- vont décrire un réseau cubique face centré. D'accord? Les Cl- forment un réseau cubique face centré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont se mettre sur les sommets et sur les milieux des faces. Et les ions Na+ vont occuper la totalité des cytoplasmes. Les ions Na+ vont occuper la totalité des cytoplasmes. Et nous savons que pour les Cl- qui décrivent un réseau cubique face centré, il y a combien de cytoctats? Il y a 4 cytoctats. On va voir par la suite. Il y a 4. Un qui est au centre de la maille et les autres sont localisés ou sont situés au milieu des arêtes. Donc je vous donne ici un schéma de la molécule NaCl. Ce que vous voyez en vert, c'est les Cl-, hein, c'est un CFC, donc sommet, centre de face. Les centres de face, vous les voyez ici, face en avant, face en arrière, face en bas, en haut, ainsi de suite. Et puis, les Na+, qui vont venir occuper les centres, les sites octaédriques, ça veut dire les milieux de toutes les arêtes ici, plus, hein, un Na+ au milieu de la maille. Donc les coordonnées réduites dans cette structure-là pour les deux ions, donc les Cl-, puisqu'ils décrivent un réseau cubique face centrée, donc vous aurez les sommets 0, 0, 0, 1 et les centres des faces. Si c'est la face YZ, XZ et puis XY. Pour les cations Na+, donc, N demi 0, 0, c'est la famille de rangée 1, 0, 0. La famille de rangée 0, 1, 0, vous avez un site au milieu de la rangée. Puis la famille 0, 0, 1, automatiquement vous aurez 0, 0, 1, demi. Et puis le site qui est à l'intérieur. Donc, le nombre de motifs par maille contient, la maille, elle contient combien de molécules NaCl? Le motif ici, c'est la molécule NaCl. Donc, vous avez pour les Cl-, puisque le réseau est cubique face centrée, donc 8 fois 8 plus 6 faces multipliées par 1 demi, ça vous donne 4. Et pour les Na+, dans le réseau cubique face centrée formé par les chlores, les Cl-, donc vous aurez 8 sites octaédriques. Donc, c'est 1 fois 1 au milieu, là. 1 fois 1, donc il est au milieu, il appartient à la maille, c'est pour cela que je multiplie par 1, plus 12 arêtes, et je sais que chaque arête, elle est commune à 4 mailles, donc je dois multiplier par un quart. Donc j'aurai 4. Bien sûr, Na4, Cl4, je sors avec 4, ça va me donner 4 NaCl par maille. Donc 4 motifs par maille, le motif ici c'est Na. La coordonnance pour le Na+, elle est très claire là. On a dit que le cation ou les cations vont occuper les sites octaédriques. Donc la coordonnance de chaque cation, elle est égale à 6 Cl-. Pourquoi? Parce que chaque cation va venir occuper un site octaédrique formé par quoi? Il est formé par 6 Cl-, situé à la même distance. N'oubliez pas que le site octaédrique, il est au milieu de l'arête. Donc entre le sommet Cl- et le Na+, la distance, elle est de A sur 2. Donc je reprends. Chaque Na+ est entouré de 6 Cl-, situé à la même distance, A sur 2. De même, et ça on va le voir après la translation, de même, chaque Cl- est entouré aussi de 6 Na+, à la même distance, A sur 2. Donc la coordonnance ici, hein, elle est de 6
pour les NA+ et de 6 pour les SCN-. Donc elle sera notée 6, 6. D'accord? Donc on va faire la translation pour voir, hein, pour bien voir où vont les anions Cn-. Hein? On a dit que les Cn- décrivent un réseau cubique face centré et les Na+ occupent des sites octets. Donc on va essayer de ramener un cation à l'origine pour voir la position, hein, ou là, le positionnement des Cl- dans le réseau des cations Na+. Donc en effectuant une translation de la maille, regardez ici. Regardez ici les coordonnées de Na+. Pour ramener un cation à l'origine, je vais prendre ici par exemple, hein, moins N demi de A pour avoir ici 0, 0, 0. Et je vais retrancher le moins N demi de A pour toutes les coordonnées des cations et des Cm. D'accord? Donc, en effectuant une translation de la maille, bien sûr, de moins A sur 2, les coordonnées réduites des ions deviennent, regardez, pour Cl-, je vais avoir 1 demi 0, 0, 0, 1 demi 0, 0, 0, 1 demi, et 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et ça, c'est la totalité des sites octets. Ça veut dire que les Cl- vont occuper la totalité des sites octets. Et pour les Na+, quand on fait la translation, on va voir 0, 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi, et 1 demi, 1 demi, 0. Ça veut dire que les Na+ décrivent un réseau cubique face centré. D'accord? Donc, les cations décrivent un réseau cubique face centré, et les Cl- vont occuper, dans ce réseau-là, ils vont occuper les sites, la totalité des sites octets. Ça veut dire que la coordination de Cl-, elle est là, elle est égale 6. Qu'est-ce qu'on a dit? L'indice de coordination est donc de 6 pour Na+ et de 6 pour Cl-. Et finalement, pour résumer, donc les ions Cl- décrivent un réseau cubique face centré. Les ions Na+ décrivent eux aussi un réseau cubique face centré. Et les deux réseaux sont décalés de combien? Sont décalés d'une distance qui est égale à A sur 2. D'accord? A sur 2. C'est ce que j'ai essayé de résumer ici, là. Donc la structure de NaCl peut être décrite par la combinaison d'un réseau cubique face centré d'arête A pour les anions et d'un réseau cubique face centré d'arête A décalé le long de l'arête pour les cations. Donc les deux réseaux sont décalés, hein, de A sur 2. Bien sûr, on va essayer de trouver les conditions d'existence de cette structure. N'oubliez pas le critère que j'ai donné là, que j'ai donné au début. Il y a toujours contact entre cation et anion, et à la limite, les anions se touchent. Donc, s'il y a contact entre le cation et l'anion, ce contact-là, il sera selon l'arête. Pourquoi? Parce que le cation, il est au milieu de l'arête et les anions sur les sommets. D'accord? Donc j'aurai 2R+ plus R- est égal à petit a. Donc la condition de contact sur l'arête. Et puis, pour les anions, n'oubliez pas que les anions décrivent un réseau cubique face centré. Donc pour les empilements métalliques, qu'est-ce qu'on a vu? Dans un réseau cubique face centré, hein, 4R est égal à A. Ça, c'était la condition pour les empilements métalliques. Donc ici, on a cette condition-là qui va être un petit peu modifiée. À la limite, les anions vont se toucher. Ça veut dire que, hein, que 4R moins est inférieur ou égal à A racine de 2. Donc j'ai une relation 1 et une relation 2. D'accord? Donc en tenant compte du domaine de stabilité de
de la structure type CSCN. Hein? Ah, donc ce domaine de stabilité, c'est quoi pour les CSCN? C'était le rapport R plus sur R moins est supérieur ou égal à 0,731 et inférieur strictement à 1. Donc en tenant de cette tenant compte de la borne de la borne de CSCN, donc j'aurai racine de 2 moins 1 est inférieur ou égal à R plus sur R moins qui va rester inférieur strictement à 0,731. Hein? Donc strictement pour ne pas chevaucher avec le domaine de CSCR. Regardez, attention, vous avez 2 R plus plus R moins est égal à A, et A il est supérieur à quoi? Supérieur à 4 R moins sur racine de 2. Vous remplacez A ici par le signe supérieur ou égal à 4R moins sur racine de 2. Et vous simplifiez. Donc, ça va, si vous jouez sur ça, vous simplifiez, vous allez tomber sur un rapport R plus sur R moins, y compris entre racine de 2 moins 1. Ça veut dire quoi, racine de 2 moins 1? Ça veut dire 0,225 et inférieur strictement à 0,731. D'accord? Donc, c'est la condition pour avoir la coordinance 6,6. Ça veut dire que le rapport ici, pour une coordinance 6,6, ce rapport-là, il est compris ou égal, il est supérieur ou égal à 0,400. La racine de 2, c'est 1,414 moins 1, c'est 0,414. Donc 0,414. Inférieur ou égal à R plus sur R moins et inférieur strictement à 0,731. C'est une condition de, pour avoir la coordonnance 6,6. Donc, exemple de structures qui peuvent se décrire exactement comme la molécule NaCl, c'est-à-dire tous les halogénures alcalins sauf CSCL, CSBR, CSI. Il y a le HGF, le HGCl. Il y a quelques oxydes, l'oxyde de calcium, de barium, de magnésium, de fer, ainsi que des sulfures, par exemple ici, de magnésium, de plomb, le sulfure de plomb, etc. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais tous ces composés-là, hein, ils ont un rapport R plus sur R moins, qui est compris entre 0,414 et 0,731. Donc ce sont des structures qui vont être décrites exactement comme NaCl. Merci.